devrais craindre le péché plus que le diable. Beaucoup de gens passent plus de temps à combattre contre le diable. Au lieu de combattre ce qui a fait de lui le diable. Et beaucoup de gens craignent plus le diable. Au lieu de craindre ce qui a fait du diable le diable. Ouf. Même lorsque tu pêches, lorsque tu tombes dans les péchés, ne fais pas de lui ton ami. Ne le cajole pas. Ne l'accepte pas. Ne le tolère pas. Ce matin, je suis venu te parler afin qu'après ce message, tu sois capable de trahir le diable. Que tu sois capable de trahir le péché. Que tu sois capable de les renier. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché éloigne de la vérité. Le péché éloigne de la lumière. Car le péché crée les ténèbres. Lucifer n'était pas un ange de ténèbres. Il était un ange de lumière. Qui marchait sur des pierres étincelantes. Il était le conducteur de la louange et de l'adoration. Mais lorsque le péché est entré dans sa vie, il est devenu le prince des ténèbres. Si tu joues avec le péché, le péché va amener les ténèbres dans ta vie. Beaucoup de gens se posent des questions, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi je ne prospère pas? Beaucoup ne prospèrent pas. Beaucoup n'avancent pas. Beaucoup ne vivent pas la faveur de Dieu. Parce qu'ils vivent dans les péchés. Plus vous péchez, plus vous vous éloignez de la vérité. Je vais le dire autrement. Plus vous péchez, plus vous serez incapable de cerner la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce, c'est là où se trouvent les mystères, les côtés mystères du péché. La grâce ne t'empêchera pas de t'enfoncer dans les péchés. Lorsque tu pêches, à chaque fois que tu pêches, sciemment, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit en toi. C'est que ta conscience est rongée. La voix de ta conscience est étouffée. De plus en plus. Regarde le premier jour où tu as péché. Tu avais beaucoup de remords. Tu as regretté. Mais après tu t'es habitué. Après tu as aimé. Après tu ne souffrais plus. Prie le Saint-Esprit. Prie Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que la voix de la conscience ne se taise jamais. Même lorsque tu pécheras, que la voix de la conscience te parle. Que la voix de la conscience te reproche. Que la voix de la conscience te frappe. Que tu pleures. Que tu pleures encore. Lorsque tu pêches volontairement, c'est le pouvoir de l'enfer qui t'attire. Le pouvoir de l'enfer t'attire, fait de toi un prisonnier. Ça va devenir difficile pour toi de revenir. J'ai dit à quelqu'un, rentre à la maison aujourd'hui. Le péché t'humiliera. Le monde du péché, c'est le monde de l'humiliation. Tu finiras par être humilié. Le péché t'humilière. Toi tu dis amen quand je dis Dieu te bénira. Ce que je dis là c'est ça même Dieu te bénira. Oh les qui coûte wana. Je dis ce que j'enseigne là. C'est ça même Dieu te bénira. Parce que si tu comprends ces choses, Dieu va te bénir. Dieu va changer ton histoire. Dieu aime les gens qui lui sont agréables. Deviens agréable à Dieu. Parce que tu as défié le péché. Le péché, ce n'est pas seulement le mentir et le souffrir. Ton cœur dur que tu as là. Ton cœur qui ressent des pincements. Qui ne supporte pas la gloire des autres. Qui ne supporte pas le bien des autres. Un cœur pécheur. Un cœur mauvais. Un enfant de Dieu peut pécher par accident. Il n'a pas la sémence du diable. Laisse que ce matin, le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice, mais aussi du jugement.
Si tu n'es pas encore libéré de la loi du péché, ça veut dire que tu n'as jamais connu de conversion. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure.